Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet Tout, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2. Aujourd'hui, on va se retrouver avec pour l'instant le plus gros gameplay que j'ai pu faire sur Call of Duty World War 2 en solo. Oui, vous me connaissez, j'aime bien le solo, etc. Et c'est une triple médaille vicieux ratée en solo. Alors, c'est de la CTF, bien évidemment, la game, elle va durer un maximum de temps. Je vais faire en sorte également qu'elle va durer un maximum de temps. Pourquoi? Parce que l'accueil était juste magnifique. Je vais pas vous le cacher, je crois que j'ai mis 3 heures, étant donné qu'on est aujourd'hui vendredi 1er décembre. Je me suis levé à 8h ce matin et tout d'un coup, bah, je suis tombé sur cet accueil au bout de 3 heures de jeu. Et franchement, quand j'ai vu qu'il y avait moyen de faire un gros truc, je vais pas vous le cacher, j'ai pris le flag et j'ai décidé tout simplement de tout faire pour faire durer la game. Avant d'attaquer un peu plus le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout pour ce gros gameplay là. Attention, on est là pour un plus de 100 kills, ok, plus de 100 kills solo, triple nucléaire solo fail. Donc franchement, n'hésitez pas, pour l'instant je crois que c'est le plus beau et plus gros gameplay que je vous ai proposé sur World War 2 sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à défoncer cette barre de like, voilà, ça fait toujours grave plaisir. Et en plus, voilà, c'est du solo et je pense que vous voyez très peu de solo de la part des francophones sur Call of Duty World War 2. Donc franchement, ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouvez récompenser cela pour ce gameplay là. Bon, niveau de la classe, je pense que je vais me faire un peu insulter, mais je vais vous expliquer pourquoi. Bon, je vais jouer avec gros calibre, tir rapide, chargeur de grande capacité. Là, tout de suite, on va m'insulter. Bouh, tu joues comme une pute, gros calibre, tir rapide. Faut savoir qu'avant cet accueil-là, et qui va changer en fait beaucoup de fois, parce que beaucoup de personnes vont décider de rage quitter. Je pense que ça, c'est normal, parce qu'à un moment donné, je vais établir un spawn kill et carrément un spawn trap solo. Alors, spawn trap solo, je pense que si vous le savez très bien, ceux qui connaissent des youtubeurs code qui font du spawn trap, c'est-à-dire que la personne n'a même pas le temps de spawn pour éventuellement tirer. Qu'en solo, c'est totalement involontaire. Hein. Tu peux pas faire du trap à toi tout seul. Ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un qui a bloqué ici, etc. Et que tu sais à peu près dans les environs où ça va spawn. Mais tu peux pas normalement faire du trap en solo. Ça, je vous le dis tout de suite, normalement, c'est pas possible. D'accord? Là, c'est en CTF, d'accord, etc. Enfin, bref. Donc, avant de faire tout ça, avant de faire ce gameplay là, j'avais fait une game justement sur Flak Tower, c'était quasiment le même accueil, sauf qu'il y avait un tryhard francophone qui jouait avec montagne, PPSH, tir rapide, et voilà, montagne et en plus la mine, il posait la mine chaque fois sur le drapeau, et je pense que ceux qui jouent en capture du drapeau dans mes abonnés, qu'est-ce que c'est rageant de se prendre cette putain de mine lorsque t'entends même pas le son, parce que lorsque t'entends le son, t'as peut-être le temps de te coucher, etc. Mais là, c'est vrai que deux ou trois fois, je n'entendais pas parce que forcément, on sortait des strikes et tout, etc. Et donc forcément, on entendait juste le petit bruit bien plus tard et finalement, on mourait. Et le mec me cassait les couilles. Franchement, je pouvais vous le dire, il me cassait les couilles. Donc forcément, j'ai pris ma classe anti-tryhard hein, parce que PPSH tir rapide, c'est un truc que je peux pas supporter. Donc directement, j'ai pris STG 44 avec gros calibre, chargeur de grande capacité. Et tir rapide, bon, je pense que vous m'excuserez parce que c'est le premier gameplay World War 2 où je vous propose un gameplay avec gros calibre tir rapide. Hein. Je pense que, pour ceux qui me connaissent, vous m'en voudrez pas. Enfin bref, donc de nouveau, c'est une triple ratée parce que je vais faire un 58-0 et je vais mourir à cause d'un abonné. Oui, c'est... Si tu te reconnais et je sais que tu m'as envoyé un message, franchement, j'ai rien à dire parce que t'aurais pu très bien quitter cet accueil-là lorsque tu m'as reconnu parce qu'en plus, tu m'as envoyé un message et tu t'excuses d'avoir cassé ma série lorsqu'en soi, tu voyais très bien que j'aurais... Franchement, j'aurais pu taper un 100 kills, j'aurais pu taper un 100-0. J'aurais pu le taper le 100-0 s'il n'aurait pas été là parce que c'est lui qui va casser toutes mes séries, en fait, lorsque j'ai tapé un 58, puis après, j'ai tapé de nouveau une plus grande série... Je crois que j'ai tapé deux fois série 18, en plus. J'ai tapé deux fois des grosses séries, etc. Et en fait, ça va être lui à chaque fois qu'il va me casser... Qui va me casser les couilles, on va dire ça ainsi. Enfin bref, et dernier des trucs, je suis le premier à critiquer la CTF, autant que ça soit sur Twitter, etc. Je vous propose très rarement des gameplays CTF, les trois quarts du temps, c'est beaucoup de HP, un peu de Domi, puis j'ai mis un tout petit peu de CTF parce que j'ai pas envie de montrer non-stop de la CTF sur Call of Duty World War 2. Sachez que je vais pas faire que ça, je vais faire peut-être de temps en temps vous proposer des gameplays CTF parce que je trouve ça pas aussi méritant qu'un gameplay HP. Pourquoi? Parce que
Même si c'est vrai que l'HP est assez casse-couille pour le moment, hein, je vais tout de suite vous le dire, c'est assez casse-couille de tomber sur des personnes qui aiment bien faire des grenades spotted, hein, qu'est-ce que je veux dire par là? Des spot grenades, vous savez, vous pouvez prendre des grenades de l'autre côté de la map parce qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent en DE qui joue en HP, donc forcément ils sont là pour jouer l'objectif, étant donné qu'il n'y avait pas encore la ligue, donc forcément ils jouaient en multi, ce qui était quand même assez compréhensible. En soi, je suis pas en train de dire oh c'est des enculés, etc. Non, c'est normal, mais comme ils aiment bien jouer de leur manière, bah forcément les accueils multi sont très facilement défoncés et on se prend facilement des grenades, et sachant que les grenades sur Call of Duty World War 2 sont vraiment très puissantes. Enfin bref. Là-dessus, au moins tout est dit, je vous ai tout dit là-dessus, je vous ai présenté le gameplay. Je vais même vous laisser avec le gameplay parce que ça fait un peu long de vous parler pendant 18 minutes, mais il en vaut la peine. 100 kills à 5, ça fait un gros ratio quand même, hein. 100 kills à 5 en solo, triple nucléaire raté en solo, et je pense que vous avez grave kiffé ce gameplay-là. Voilà les gens, c'est la fin. En tout cas, de mon commentaire, je vais vous laisser avec le gameplay. De nouveau, n'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et franchement, restez jusqu'à la fin parce que ça en vaut la peine. C'était l'Octet tout. Puis moi, je vous dis bye et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.
Everything changes. Da 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 da